Une joie d'être avec vous ce jour. Et la joie se multipliera dans votre vie au nom de Jésus. Ce jour est un jour spécial. Un jour de miracle. Un jour de salut. Un jour de transformation totale. Les opprobres seront balayés. Les jougs seront brisés. La puissance de Satan sera brisée de votre vie. Et toutes ces puissances maléfiques qui tourmentent votre vie seront détruites. Tout ce qui démange votre vie par-ci, par-là, toutes ces choses seront déracinées. Et nous allons donc nous célébrer, nous réjouir de la destruction de ces forces plus maléfiques. Quelque chose vous arrivera. Et vous réjouirez avec le Seigneur. Et vous allez vous réjouir dans le Seigneur. Et toutes les maladies disparaîtront de votre vie. Et elles quitteront votre vie au nom de Jésus. Est-ce que vous aurez votre miracle aujourd'hui? Votre miracle, c'est déjà venu. De qui est-ce que je parle là-bas? C'est déjà venu au nom de Jésus. Fermons les yeux pour la prière. Père, nous te remercions. Seigneur Jésus, nous te remercions. Saint-Esprit, nous t'accueillons. Nous accueillons ta puissance. Nous accueillons ton onction. Nous accueillons ta révélation. Seigneur, je prie ce jour. Envoie ta grande puissance. Et détruis les œuvres du diable. Libère ton peuple. Seigneur, je prie que le salut soit donné à chacun. La guérison pour tout le monde. La délivrance pour tout le monde. Seigneur, ouvre les portes et les écluses des cieux. Et balaie les opprobes. Et libère les captifs. Que ce jour soit un jour glorieux pour chacun. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est un jour de connexion divine. Et c'est de ce que nous considérons dans la parole de Dieu. Le jour de la connexion divine. Il dit que premièrement, vous devez venir au Seigneur. C'est la connexion que vous avez qui compte sur la terre. Vous pouvez être la personne la plus rejetée de la communauté. Si vous n'êtes pas connecté à la bonne personne, se trouvant au bon endroit et au meilleur endroit, vous ne pouvez rien faire. Et donc, si vous avez la meilleure science, la meilleure connaissance, les meilleurs diplômes, mais vous n'êtes pas connecté, et donc, ce qui importe, c'est que vous ayez la bonne connexion qu'il vous faut pour pouvoir avoir ce que le Seigneur a pour vous. Vous pouvez lire votre Bible de Genèse à Apocalypse. La connexion est importante. C'est pourquoi je viens vous parler ce jour, en ce jour spécial, un jour que vous n'oublierez jamais. Vous vous rappellerez là où vous étiez assis. Vous allez vous rappeler quand vous avez levé la main. Et vous allez vous rappeler quand vous avez fait la connexion.
Et vous rappellerez ce jour comme le jour de votre miracle. J'ai dit, vous vous rappellerez. C'est un jour que vous n'oublierez jamais. Le jour de la connexion divine. Marc chapitre 5. Nous lisons l'histoire d'une femme. Cette femme a beaucoup souffert dans sa vie. Marc 5, 25. Et cette femme avait un problème particulier. Un problème perplexe. Et c'est un problème qui l'avait complètement écarté de la communauté, écarté des gens et de tout le monde. Et elle avait un type de problème de maladie qui n'était pas qui était particulière. Et ce problème, cette maladie l'a séparée de la société. Et elle a essayé de se débarrasser du problème. Mais c'était pas n'importe quel type de connexion qui pouvait régler ce problème, mais de avoir une connexion à la bonne personne. Et tous ses efforts, toutes ces années, elle a essayé. Et pendant toutes ces années, elle a essayé de trouver des problèmes à ses solutions. Mais aucune solution en vue. Mais un jour, comme aujourd'hui, un jour, pour elle, comme pour toi aujourd'hui, merveilleux jour. J'ai dit merveilleux jour. Prodige de tous les prodiges. Il y a eu une connexion divine. Je te félicite. Que tu es là en ce jour spécial. Parce que c'est aujourd'hui le jour de ta connexion divine. Et ce jour glorieux, elle a fait la connexion divine. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Pensez à 12 ans. Une année pour des difficultés. Une année de souffrance. Et pendant toutes ces années, elle a tout fait, elle a tout essayé. Les efforts personnels, les efforts des autres. Et chaque année passait, mais les choses s'empiraient. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Même l'histoire nous dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a fait plusieurs choses. On a dit, putain, il y a un baba quelque part. Va là-bas, tu auras une solution. Et elle a pris toutes ses ressources entre ses mains. Tout son argent. Et elle allait là-bas. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Chez plusieurs médecins. Avec plusieurs soi-disant docteurs. Il y avait les docteurs traditionnels. Il y avait les docteurs natifs. Il y a les docteurs scientifiques. Il y avait certains qui n'avaient pas de bâtiment. Il y a d'autres, elles allaient dans leur couvent. Parce qu'elles se disaient, je veux seulement une solution. Mais il n'y avait pas de solution. Jusqu'à ce jour particulier. Quand son jour à elle est venu. Et je dis également, ta solution aussi est venue. Quand ton jour est maintenant arrivé. Ton jour est venu. J'ai dit, ton jour est venu. Cette solution est aujourd'hui. Ce salut, c'est aujourd'hui. Cette guérison, c'est aujourd'hui. Cette délivrance, c'est aujourd'hui. Pour balayer ces problèmes de nombreuses années, c'est aujourd'hui. Cette mauvaise chose là-bas partira de ta vie.
Cette maladie partira. Cette infirmité partira. Ce fardeau, cette tristesse, cette honte, ils partiront aujourd'hui. Le jour de la connexion divine. Dans ce récit, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Premièrement, le problème était privé. C'est elle seule qui savait ce qu'elle avait. Elle allait de lieu en lieu. Le problème est devenu un problème public. Ce n'était plus un problème privé, c'est devenu un problème public. Ce n'était pas quelque chose qui était connu seulement à ceux qui étaient proches d'elle. Le problème était connu dans les cercles extérieurs, ceux qui étaient loin d'elle. Tout le monde parlait de son problème. Ah, cette femme-là, cette femme malade, une femme de tristesse, femme de honte. Mais quand le jour de la connexion divine est venu, l'histoire a changé. J'ai dit, son histoire a changé. Voici le jour où ton histoire aussi va changer. Voici le jour où ta destinée va changer. Les pleurs prendront fin aujourd'hui. Et le sourire commencera pour toi. La tristesse prendra fin. Et la joie va commencer. La maladie prendra fin aujourd'hui. La guérison, la force, la puissance viendront dans ta vie au nom de Jésus. Le péché prendra fin aujourd'hui. L'alliance avec les idoles prendra fin. Cette femme a fait toute l'alliance avec toutes les idoles. On a dit ça c'est pas ordinaire. C'est l'esprit des aïeux qui est derrière la maladie là. Tu vois que tu as dépensé tout ce que tu as. Tu as été vers les hôpitaux scientifiques qui n'ont pu rien faire pour toi. Ils ont dit ceci là, tu as besoin d'une alliance. Toutes les alliances qu'elle a eu à faire avec les sages, les messagers, serviteurs de Satan, n'ont apporté aucune solution. Alliance des ténèbres sera détruite aujourd'hui. Je n'ai pas entendu ta réponse. Toutes les alliances avec les messagers de Satan, aujourd'hui, ces alliances prendront fin au nom de Jésus. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus. Quelque chose a commencé. Quand tu entends parler de Jésus, Jésus le sauveur, Jésus le guérisseur, Jésus le libérateur, Jésus notre suffisance, Jésus le Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, qui ôte les maladies du monde, qui ôte tes souffrances du monde, qui ôte tes tristesses du monde. Regarde à Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte la honte du monde. Ce jour, tu entends parler de Jésus. Le jour de la connexion divine. Voici mon jour. J'ai dit, voici mon jour. Et toi, voici mon jour. Laissez-moi vous parler de Jésus maintenant. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, Christ, le seul sauveur. C'est ce que cette femme a découvert. Elle est allée par-ci, pas de solution. Elle est venue par là-bas, pas de solution. Elle a touché ceci, pas de solution. Elle a fléchi ici, pas de solution. Elle a roulé par terre, pas de solution. Elle a fait une alliance là-bas, pas de solution. Et quand elle est venue à Jésus, le seul sauveur,
le seul guérisseur, la seule solution, la seule suffisance. Tout était négatif dans sa vie, a pris fin. Christ, le seul sauveur. Et il va te sauver aujourd'hui. J'ai dit, il va te sauver aujourd'hui. Rappelle-toi, le jour de la connexion divine. Vous savez, le salut ne vient jamais sans qu'il n'y ait de connexion. La guérison ne vient pas sans qu'il n'y ait de connexion. Et toutes les délivrances ne viendront pas à moins qu'il n'y ait la connexion divine. Christ, le seul sauveur. Deuxièmement, la conversion au sauveur. La conversion au sauveur. Quand nous disons conversion sauveur, ça veut dire que maintenant, je ne suis plus pour les herbolistes tels et tels. Parce que la femme dont je parle, quand elle est allée vers les autres, l'herboriste a dit, maintenant, tu dois faire un traité avec moi, un accord avec moi. Et pour montrer que tu es complètement pour lui. Tu vas amener un animal, un bouc, tu vas amener un bœuf, tu vas amener ceci ou cela. Elle était avec eux, connectée à eux, mais toutes les connexions échouées. Pas de guérison, pas de salut, pas de joie, pas de liberté, pas de délivrance. Elle allait de plus profondément dans l'esclavage, dans les liens avec eux. Et parfois, on la menaçait même. Si tu m'abandonnes pour aller vers notre herboriste, pour aller vers un autre charlatan, j'enverrai des mauvais esprits après toi. Alors, elle était liée jusqu'au jour de la connexion divine. Et voici ton jour. Elle a brisé toutes les connexions avec tous ces trompeurs. Et elle est venue faire cette connexion merveilleuse. Cette connexion permanente. Une connexion par la foi avec Jésus-Christ qui a conduit à sa conversion totale. Conversion au Sauveur. Ensuite, la guérison est venue. Et ta guérison viendra. Ce n'est pas quelque chose dans l'avenir. Ça vient aujourd'hui. Il dit, ça viendra aujourd'hui. Premièrement, Christ, le seul sauveur. Deuxièmement, la conversion au sauveur. Troisièmement, l'alliance avec le Sauveur. Ça, il y a plusieurs personnes qui ne comprennent pas que tel que vous étiez engagé envers ce charlatan, chaque fois que vous allez là-bas, votre pensée était là-bas, votre cœur était là-bas, votre promesse était là-bas. Et c'était comme si votre maison, votre deuxième appartement, papa à tout moment. Pour lui, vous viviez même pour lui. Tout ce que vous voulez manger, voici la part de papa. Tout animal que vous tuez, voici la part de papa. L'argent que vous gagnez, voici la part de papa. Vous étiez complètement en alliance avec lui. Vous brisez cette alliance et vous avez notre alliance. Vous abandonnez cette alliance. Et vous suivez une autre alliance. Vous abandonnez cette alliance. Et vous demeurez dans une autre alliance. Vous quittez cette alliance. Et vous attachez à Christ, votre seul sauveur et Seigneur et guérisseur. Premièrement, ça c'est pour toi. J'ai dit ça c'est pour toi. Regardez ici s'il vous plaît. Si vous venez là où je suis maintenant,
Nous avons des marches là-bas. De la terre jusqu'au niveau, au pas, des pas à pas. Ce ne serait pas facile de sauter simplement pour venir au stage ici facilement. Je suis en train donc de vous construire les pas. Vous mettez le pas, le pied sur la première marche. Vous mettez un pied sur la deuxième marche et vous êtes là. Et votre miracle va vous arriver. Ce sont là les marches de l'escalier qui conduisent au salut, à la guérison, qui conduisent à votre délivrance. D'autres disent, ils prêchent. Quand l'aura fini la prédication et construit la prière, je vais prêter attention. Ce n'est pas seulement la prédication. Je suis en train de vous bâtir les marches, les pas que vous devez faire, 1, 2, 3, qui vous conduira à la connexion divine. Aujourd'hui, tu seras connecté. J'ai dit aujourd'hui, tu seras connecté. Je vois la joie venant dans ta vie. Je vois le salut venant dans ton âme là-bas. Je vois la guérison venant sur toi. Je vois ce paralytique se levant, marchant, sautant, courant. C'est toi là-bas. Je vois cet homme aveugle, comme nous prions. Il dit 1, 2, 3. Et quand tu arriveras au troisième pas, ses yeux vont s'ouvrir, tu verras clairement. Si nous construisons l'escalier et tu connais l'escalier, tu regardes l'escalier seulement, tu apprécies l'escalier et tu ne mets pas les pieds sur les marches de l'escalier, tu n'arriveras pas au sommet. Ce n'est pas savoir connaître, ce n'est pas seulement entendre, je connais ceci, va au-delà de la connaissance, je le pratique, je le fais, et tu y arriveras. Premièrement, Christ le seul sauveur. Actes des Apôtres, chapitre 4, 12. Actes 4, 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Cette femme n'avait pas connu cela. Elle courait par ici, elle allait par ci, par là. Le salut en ceci, salut dans la rivière, salut dans la forêt, salut dans la vallée, salut aussi la montagne, salut dans les idoles. Salut dans papa, salut dans la vieille femme, salut dans la religion, salut dans la tradition. Et elle a gaspillé ses ressources totalement. Mais elle a appris de ses expériences. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le ciel. Sous le ciel, dans aucun village. Sous le soleil, dans aucune ville. Sous le soleil, sous les cieux, dans aucune communauté. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour notre salut, qui peut pardonner les péchés, qui peut changer votre vie, qui peut transformer votre vie, qui peut apporter une transformation dans votre vie, qui peut vous donner une conscience pure, qui peut vous amener à savoir que vos péchés sont pardonnés. Il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Et nous devons être sauvés. Si nous voulons être heureux, nous devons être sauvés. Si notre culpabilité doit être enlevée, nous devons être sauvés. Si nous devons être libérés du péché, nous devons être sauvés. Si nous voulons aller au ciel à la fin, il n'y a aucun autre nom. Il n'y a aucun autre nom. Dans ton village, dans ta communauté, dans ta ville,
dans ta tribu, dans ma tribu, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel tes péchés peuvent être pardonnés. Le seul nom, c'est le nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas comme un autre homme. Sa conception n'était pas comme la conception des autres personnes. Sa naissance n'était pas comme la naissance de tous les hommes. Sa vie n'était pas comme la vie des autres personnes. Son baptême n'était pas comme le baptême des autres personnes. La main de les cieux se sont ouverts. Et une colombe, l'Esprit de Dieu est venu sur lui visiblement. Et la voix de Dieu a parlé du ciel. Voici mon fils bien-aimé, en qui je ferai plaisir. Ce miracle n'était pas comme les miracles des autres. En un seul mot, il chassait les mauvais esprits. Sa puissance n'était pas comme les autres puissances. Sa mort sur la croix n'était pas comme les autres morts. Ses propos sur la croix n'étaient pas comme pour les autres. Son ensevelissement n'était pas comme pour les autres. Sa résurrection, la pierre roulée, n'était pas comme les autres résurrections. Après sa résurrection des morts, pendant ces 40 jours où il apparaissait, ce n'était pas comme les autres apparitions après la résurrection des morts. Son ascension au ciel n'était pas comme les autres ascensions. Son intercession autour de Dieu maintenant n'est pas comme les autres intercessions partout, à tout moment et à aucune partie du monde. C'est le seul sauveur. Et cette femme a reconnu aucune autre puissance, aucun autre salut. Il n'y a aucune autre apparition devant le Seigneur. Jésus est Jésus seul. Jésus est Jésus seul. Il sera ton sauveur aujourd'hui. J'ai dit, sera ton sauveur aujourd'hui. Dès que tu abandonne toute autre confiance. Et tu dis, je viens à Christ. Il est mon sauveur. Je viens à Christ. Il est mort pour moi. Je viens à Christ. Il sera mon seul sauveur. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Deuxièmement, la conversion au Sauveur. La conversion au Sauveur. Regardez ici, s'il vous plaît. Vous savez, quand les gens sont malades, ils veulent savoir sur qui reposer ma tête épuisée, fatiguée. Quand ne peut plus se transporter, oh, qui peut me porter? Quand ils sont aveugles et ils veulent aller quelque part, oh, qui me conduira là-bas? Quand ils ont faim et ils veulent avoir quelque chose à manger, oh, qui va me nourrir? Quand ils ont soif, ils ont besoin d'eau à boire, oh, qui me donnera quelque chose à boire. Cette femme dont j'ai parlé a essayé de reposer sa tête sur un appui. Tous les appuis ont cédé. Aucun appui n'était assez fort pour vraiment accepter sa tête épuisée. Sa tête, son esprit était épuisé. Elle a cherché quelqu'un qui pourrait lui donner la consolation. Mais aucune parole, aucun service n'a pu la consoler. Elle avait un type de maladie qui venait non seulement avec souffrance, mais avec honte. Ce n'est pas seulement la honte et la souffrance, mais avec la tristesse. Et elle voulait savoir qui pourrait la purifier, qui pourrait la libérer, qui pourrait la protéger, qui pourrait me donner
un nom digne, un nom respectable dans la société. Personne n'a pu le faire. Elle était déçue. Son cœur était brisé. Sa pensée était vraiment dispersée. Sa vie était dévastée. Jusqu'au jour, elle a entendu parler de Jésus. Jésus le sauveur. Jésus le guérisseur. Jésus celui qui accomplit les miracles. Sa pensée s'est tournée. Son cœur s'est tourné. Son cerveau s'est tourné. Et s'est détourné de tout ce sur qui elle se confiait. Parce qu'ils n'ont, non seulement ils l'ont déçu, mais ils ont été une déception. Sa pensée s'est détournée et tournée vers Christ. Tournée complètement vers son secours. Tournée complètement vers sa puissance. De tout complet. La confiance totale. La dépendance totale. Tout son poids, elle a dit, il n'y a plus d'autre personne. Je me repose totalement sur Christ. Elle a été convertie à Christ. Sa pensée convertie à Christ. Son cœur converti à Christ. Sa décision convertie à Christ. Sa confiance convertie à Christ. Christ le Sauveur. Christ mon Seigneur. Christ mon guérisseur. Christ ma suffisance. Christ mon tout et en tous. J'abandonne les autres. Ma pensée seulement sur Christ maintenant. Voilà pourquoi elle a abandonné toute chose. Elle a dit, je vais à Jésus. C'est en lui que j'ai confiance maintenant. Tous les autres, quiconque, toute autre personne m'a déçu. Il est le libérateur. Il est venu à Christ pour ne plus jamais retourner vers ses traditionnels, ses idolâtres et ses trompeurs. La conversion au Sauveur. C'est comme ça la puissance de Dieu est venue. En fait, Jésus-Christ a dit, quelqu'un m'a touché. Quelqu'un met sa foi en moi. Quelqu'un est en train de tirer la puissance de guérison de moi. Quelqu'un est en train de se confier totalement en moi, sans se confier sur une autre fausse puissance. Elle a touché Jésus avec la foi de la dépendance totale en Christ. Et les problèmes de 12 ans ont disparu immédiatement. C'est ce qui va t'arriver. J'ai dit, c'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Quand tu abandonnes toutes les idoles, je me confie à Christ. Quand tu abandonnes toutes les traditions, je m'appuie sur Christ maintenant. Quand tu brises toutes les alliances que tu as eues avec toutes ces puissances maléfiques, maintenant je m'appuie sur Christ. Quand tu abandonnes tous les sacrifices mensuels, maintenant tu abandonnes tous ces sacrifices et maintenant je m'appuie sur Christ. La conversion complète à Christ. Tu dis, Seigneur Jésus, je viens. Je viens, je me détourne de ces gens et je viens à toi maintenant. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul sauveur. Tu es mon seul guérisseur. Tu es mon seul libérateur. Tu es mon seul secours. Tu es la connexion entre moi et le Père Céleste. Quand tu fais ce détour total, tu viens au Seigneur. La conversion totale au Seigneur, ton salut viendra. Et voici ce jour. J'ai dit, voici ce jour. Pour qui? Pour qui?
Pour qui? Où est-il? Pour qui? Où est-elle? Ce sera pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Premièrement, Christ le seul sauveur. Deuxièmement, la conversion au sauveur. Et troisièmement, l'alliance avec le sauveur. L'alliance avec le sauveur. Vous comprenez l'alliance? Une alliance, c'est comme une promesse. Une alliance, c'est comme une soumission, l'abandon de soi. Lorsqu'elle allait vers ses herboristes avant, elle faisait une alliance. Elle disait, si tu peux me sortir de cette maladie honteuse, je te donnerai un bouc. L'herboriste disait, donne-moi le bouc d'abord et je vais te soigner. C'est pourquoi elle devait aller acheter un bouc et le donner à l'herboriste. Il voulait une alliance avant qu'elle n'ait une cure. Et tout ce qu'elle a dépensé avec ses herboristes, ses traditionnalistes, aucune solution. Alors, elle allait vers un autre. Parce que la Bible dit qu'elle a souffert beaucoup de choses chez plusieurs médecins. Les traditionnalistes, les herboristes. Et l'autre disait aussi, ce que je veux, c'est un bœuf. Elle allait acheter un bœuf. Elle venait en alliance encore. Un autre disait aussi, bœuf, j'en ai beaucoup ici, hein. Bouc, moi j'en ai beaucoup ici. Ce que je veux, c'est ton sang. La femme disait, je perds déjà du sang. Perds de sang depuis 12 ans, c'est même pas une petite affaire. Ah, si tu ne veux pas une alliance, il n'y a pas de guérison. Ainsi, la femme disait, d'accord, si ça va me guérir, le monsieur prenait un couteau, coupait et le sang sortait. Le monsieur recouperait et il se coupait aussi et le sang coulait et il mélangeait les sangs et il mettait leurs plaies ensemble. Il mettait du charbon, quelque chose de noir dedans là-bas comme signe d'alliance. Mais l'alliance n'a pas apporté la guérison. La femme a dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'ai donné de bouc, pas de solution. J'ai donné des animaux, pas de guérison. J'ai donné du sang, pas de solution. Elle a entendu, elle a parlé de Jésus. Jésus est en ville. Jésus le sauveur. Jésus le Seigneur. Jésus le guérisseur. Il résout tous les problèmes. Il guérit toutes les maladies. Et qu'elle a entendu parler de lui, il a dit, je viens au final guérisseur. Je viens au sauveur. Je viens au guérisseur. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je dois faire une alliance. Et Jésus ne cherche pas de bouc. Jésus ne cherche pas de volaille. Jésus ne cherche pas ton sang. Il dit, donne-moi ton cœur. Fais-moi confiance. Crois en moi. Appuie-toi sur moi. Attache-toi à moi. Embrasse-moi. Reste avec moi. Et tu ne retourneras plus à ces gens-là. L'alliance avec le Sauveur. J'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour, pas de retour. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Pas de retour, pas de retour. Même si les amis s'opposent à moi, ces amis n'ont pas pu m'aider. Quand j'allais de traditionnaliste en arboriste, ils n'ont pas pu m'aider. Maintenant, je viens à Jésus. Je vais faire une alliance avec lui. J'aurai une relation avec lui. Et il sera ma connexion divine au Père Céleste. Donne-moi ton cœur.
Il dit, je viens avec tout mon cœur. Tout à Jésus, j'abandonne. Tout à lui, je donne gratuitement. Je vais l'aimer. Je vais l'adorer. Je vais l'obéir. Je vais le servir. Jésus est Jésus seul. Il sera mon Seigneur. Elle est venue en alliance avec le Seigneur. Elle a été guérie. Alors, la guérison a été permanente. Elle a eu son miracle. Et le miracle était permanent. L'alliance avec le Sauveur. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi maintenant? Premièrement, il faut te séparer, briser toutes tes autres alliances. Et entre en alliance avec Christ. Brise. Les traditions brisent cela. Les idoles brisent cela. Toutes les soumissions que tu as fait avec eux, rompent tout cela. Toutes les promesses que tu as fait à cette gang, il faut rompre tout cela. Parce que maintenant tu viens à Christ qui apportera la solution à tous tes problèmes. Premièrement, il faut briser, rompre toutes les autres alliances et viens à Christ. Deuxièmement, abandonne. Tu abandonnes toutes ces autres alliances. Avec tous ceux avec qui tu es en alliance, tu les abandonnes. Et tu viens et tu suis Christ. Je suivrai. La décision personnelle, moi je vais suivre. La décision présente, je vais suivre. La décision permanente, perpétuelle, je vais suivre. Tu abandonnes toutes ces alliances, toutes tes dévotions à ces idoles et à toutes ces personnalités. Maintenant, tu dis, je les abandonne. Je vais suivre Jésus, mon seul sauveur. Premièrement, tu te sépares de tous ces gens. Tu viens à Christ. Deuxièmement, tu abandonnes tous et tu suis Christ. Troisièmement, tu les abandonnes tous. Tous les lieux que tu fréquentais, toutes les choses que tu faisais, tous les accords que tu avais avec eux. Tu abandonnes tous ces trompeurs. Tu abandonnes la tradition. Tu abandonnes les idoles. Tu abandonnes les sacrifices. Tu abandonnes tous les mauvais comportements. Et maintenant, tu demeures en Christ. Abandonne-les et demeure en Christ. Et tu dis, Jésus est à moi. Et je suis pour Jésus. Mon cœur pour Jésus. Mon âme est pour Jésus. Ma vie est pour Jésus. Tout ce que j'ai est pour Jésus. Je vais l'aimer. Je vais le croire en lui. Je vais lui obéir. Et je vais commencer à suivre à Christ à partir de maintenant. Et pour le restant de ma vie, tous les jours, je vais suivre Christ. Cela sera pour toi que c'est un jour de connexion divine pour toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Es-tu prêt pour faire la connexion divine maintenant? Le salut te parviendra. Le pardon des péchés te parviendra. La guérison te parviendra. La délivrance te parviendra. La joie du ciel coulera dans ton âme. Et ce sera un jour spécial dans ta vie. Et ça va t'arriver. Ça va t'arriver. Où es-tu là-bas? Est-ce que ça va t'arriver? Est-ce que ça va t'arriver, toi? Les têtes baissées, les yeux fermés. Voici le moment pour toi. Un moment spécial. Un jour spécial. Pour en faire un jour de connexion divine. La tête baissée, les yeux fermés. Si c'est là, l'alliance que tu veux faire avec Christ, tu abandonnes toute autre chose. Aucune autre personne ne peut te sauver. Seul Jésus. Seul Jésus.
seul Jésus. Il est le seul sauveur. Tu veux tourner ta pensée vers Christ, tout ton cœur sur Christ. Tu veux t'appuyer sur Christ. Tu veux qu'il t'amène au ciel à ta mort. Tu veux qu'il pardonne tous tes péchés maintenant. Tu veux venir à Christ et abandonne totalement toute autre chose. Tu vas lever ta main là où tu es maintenant. Je suis pour Jésus. Je crois en Jésus. Je confesse tous mes péchés à Jésus. Où es-tu là-bas? Lève ta main. Lève ta main là où tu es. Si tu lèves ta main et tu dis Christ est à moi à partir de ce moment, j'appartiens à Christ complètement à partir de ce moment. Je ne retournerai plus à ces choses à partir de ce moment. Et que tu lèves ta main, lève-toi sur tes pieds. Mets-toi debout pour dire oui, je suis pour Jésus. Mon âme, mon esprit, mon cœur, ma vie, mon présent, mon avenir, je vis à Christ. Je ne le laisserai plus. Lève-toi là où tu es. Comme tu te lèves, ferme tes yeux et tu pries. Dis Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Toutes ces autres choses sur lesquelles je m'appuyais, je les abandonne. À partir d'aujourd'hui, Jésus est Jésus seul. Jésus sera mon sauveur. Jésus sera mon Seigneur. Plus d'idolâtrie, plus de sacrifices, plus de mauvaises habitudes, plus de traditions. Toutes les mauvaises choses auxquelles je me confiais à Satan et au message de Satan, plus jamais dans ma vie. Jésus, 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 mon sauveur, je crois en toi maintenant. Sauve-moi, pardonne-moi, change ma vie. Je te donne mon cœur et je me confie à toi à partir d'aujourd'hui pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Père, au nom de Jésus, je prie pour tous ceux qui ont indiqué qu'ils viennent faire alliance avec Christ le Sauveur. Ils sortent de leur péché pour venir faire la connexion avec le Sauveur. Seigneur, je prie. Pardonne tous leurs péchés au nom de Jésus. Je prie la grâce pour demeurer ferme, fidèle avec toi. Pour ne plus retourner vers ces trompeurs. Accorde-leur cette grâce maintenant au nom de Jésus. Donne-leur ton salut maintenant. Donne-leur le pardon maintenant. Donne-leur le changement de vie maintenant. Et qu'il y ait la conversion totale et complète. Et que l'alliance avec le Seigneur, avec le Sauveur, soit définie réelle maintenant. Brise toutes les autres alliances. Détruis toutes les anciennes alliances. Et qu'ils aient la communion d'alliance avec toi, pas de maintenant. Accorde-leur la joie de ton salut. Et le changement de vie, la preuve de salut. Confie-le dans leur cœur. Écris leur nom dans le livre de vie. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit amen. Ton temps de connexion divine est venu. Tu crois? Les miracles viendront pour toi. Ta guérison est venue.
Parce que chaque fois que Christ se connecte à nous, et chaque fois que nous connectons à Christ, la guérison se produit toujours. Les miracles se produisent toujours. Les délivrances se produisent toujours. Maintenant, ça te parviendra maintenant. Donne-moi un grand amen. Identifie là où se trouve ta maladie. Impose-toi une main sur la maladie. Ou le lieu où tu sens les douleurs. Élève l'autre main. Et nous allons prier. Et la connexion divine sera faite. Ensuite, nous dirons amen. Quand tu entendras le dernier amen, le miracle aura lieu. Les yeux aveugles vont s'ouvrir. Les paralytiques se lèveront pour marcher. Les oreilles sourdes entendront. Les langues muettes parleront. Les miracles se produiront partout. Est-ce que tu vas recevoir pour toi? Où es-tu là-bas? Lève cette main et impose-toi l'autre main là où tu as le mal. Quand tu entendras le dernier amen, vérifie. La connexion divine, merveilleux miracle. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ce jour de connexion divine. Je te remercie pour tout le monde ici. Je prie, Seigneur, que le spectaculaire se produise maintenant. Le surnaturel se produira maintenant. Miracles, les signes, les prodiges, les guérisons, les délivrances se produisent maintenant partout en la vie de chacun au nom de Jésus. Toute puissance de Satan contre ta vie, je commande, sors au nom de Jésus. L'insanité, sois guéri au nom de Jésus. Je prie que cette épilepsie soit totalement annulée maintenant. Tu es libéré au nom de Jésus. Cet enflement sur ton corps, le goitre, je te commande, disparaît au nom de Jésus. La bosse ou l'éléphantiasis, je te commande, sois guéri au nom de Jésus. Tout enflement sur tes parties privées, l'hernie là-bas, fibrone là-bas, je commande maintenant, soyez ôtés au nom de Jésus. Et ceux qui ont des maladies internes, comme une perte de sang, je commande ce sang de se dessécher maintenant au nom de Jésus. Problèmes, les reins, les foies qui ont de problèmes, soyez guéris au nom de Jésus. Tuberculose, la toux, quel que soit la mal, la toux, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Les afflictions, les pressions agissant dans notre corps, je vous commande ces objets qui bougent. Je commande cette personnalité, je vous commande cette forteresse. Sortez au nom de Jésus. Les oreilles sourdes, recevez la touche divine maintenant. Les oreilles sourdes, soyez ouvertes. Commencez à entendre maintenant au nom de Jésus. Les langues muettes, soyez déliées, parlez maintenant. Je commande à ces yeux aveugles maintenant. Cataracte, glaucoma, je vous commande, sortez, soyez, commencez à voir clairement avec ces yeux au nom de Jésus. Douleur, sortez au nom de Jésus. Les douleurs d'arthrite au genou, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Les dos courbés qui n'arrivent pas à se redresser avant, soyez redressés maintenant. Soyez guéris au nom de Jésus. Ceux qui sont paralytiques et AVC, victimes d'accidents,
Que la tour du Seigneur vous touche maintenant. Soyez guéris. Levez-vous, marchez au nom de Jésus. Partout, je commande la puissance du miracle de circuler sur vous. Soyez guéris. Soyez délivrés. Soyez libérés. Toute montagne de problèmes, je vous déplace maintenant au nom de Jésus. Recevez vos guérisons. Recevez vos délivrances. Recevez vos miracles. La main du Seigneur est là-bas. La connexion divine est là. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Je sais que c'est fait. Il y a une confirmation maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Vous l'avez eu. J'ai dit vous l'avez eu. J'ai dit vous l'avez eu. Acclamez le Seigneur. Célébrez votre guérison. Célébrez votre délivrance. Examinez-vous maintenant. Et ce que vous n'auriez pas fait avant, levez-vous et faites-le. Courbez et faites-le. Levez-vous et faites-le. Ouvrez ses yeux, voyez ce que vous ne pouvez pas voir avant. Touchez ce lieu-là. La douleur est partie. Le problème est parti. La guérison est là. Et quand vous verrez, criez gloire à Dieu. Alléluia. Voici notre jour de réjouissance.